Les rafraîchissements sont servis. Le manque d'eau devient un problème pour le bétail. Señorita, les bêtes souffrent. C'est la pire canicule que j'ai jamais connue. L'herbe est bien trop sèche. S'il ne pleut pas rapidement, on devra leur donner le fourrage qu'on garde pour l'hiver. Merci, Bernardo. Hein? Quoi? Oh! Ah, très amusant. Tu n'as pas fait ta toilette. Non, non, maman. Il faut garder l'eau pour boire, pas pour se laver. Oui, tu as raison, Tichy. Et c'est pour ça que quand il n'y a pas beaucoup d'eau, on se frotte avec du sable pour rester propre. Regarde, Tichy. Oh, est-ce que tu vas faire des incantations magiques? Oui, je dois chanter et danser pour faire venir l'esprit de la pluie. Oh, on peut t'aider? S'il te plaît, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Nous pouvons tous chanter et danser ensemble. Oui. Mais les esprits sont parfois très difficiles. Ils n'écoutent que les enfants qui font leur toilette. Oui. Oui, d'accord. On va se laver vite. Désolé, c'est tout ce qui reste. Dernier pluie qui donne encore de l'eau dans tout Los Angeles. Et toujours pas le moindre nuage dans le ciel. C'est une catastrophe. Non. González Garcia! Monsieur le commandant! Une fois que vous aurez enfin fini de faire les clowns, vous irez remplir l'abreuvoir des chevaux, c'est compris? Ça ne va pas être possible, mon commandant. Le tonneau est vide, il n'y a plus une seule goutte d'eau potable. Il n'y a plus d'eau! Rassemblement! J'ai bien réfléchi à la situation. Nous ne pouvons pas nous permettre de manquer d'eau à la caserne. Nous allons donc la détourner du puits de la place. Pour y parvenir, j'ai décidé de construire un aqueduc. Un aqueduc quoi? Un aqueduc incapable, comme les Romains. C'est très simple. Il vous suffit tout bêtement de suivre mon plan. À vos ordres. Ils veulent garder toute l'eau pour eux, mais nous alors? L'armée de Sa Majesté doit avoir la priorité, sinon ce sera le chaos en Californie. Commandant, il y a des femmes et des enfants, soyez charitables, ils en ont besoin eux aussi. Oh mais bien sûr que j'ai pensé à eux, ainsi qu'à tous ceux qui, comme vous, padré, ont tendance à se plaindre. Et si cela peut vous rassurer, sachez qu'il me reste encore quelques chambres fraîches et bien aérées. En présent! Non, mais c'est scandaleux. Mais comment allons-nous faire? Comme les Romains, c'est facile à dire, hein. Mouais. Bon, alors toi, là, tu vas être le Romain à gauche. Et toi, tu vas être le Romain à droite. Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas. J'ai dit, toi, tu vas à gauche, et toi, tu vas à droite. Mais vous allez arrêter de faire les andouilles, oui, laissez tout tomber. C'est fait, commandant. La construction est finie. Il faudra que qu'elle est terminée. J'ai suivi votre plan romain à la lettre. Je crois que vous allez être content du résultat. Sergent Garcia! Oui? Sauriez-vous m'expliquer pourquoi l'aqueduc va du puits vers l'auberge au lieu d'aller du puits vers la caserne? Commandant, j'ai suivi ce qu'il y a sur le dessin. Garcia, imbécile! C'est pourtant simple, l'eau doit aller du puits vers la caserne. Hein? Exécution! C'est simple, l'eau doit aller du puits vers la caserne. Lancier, au travail! C'est pour ça, commandant, après l'échec retentissant du sergent Garcia, j'ai décidé de suivre scrupuleusement les indications de votre plan. La construction de votre aqueduc est achevée. Maintenant, l'eau coule du puits vers la caserne. Espèce de sombrio, vous avez lu le plan à l'envers.
encercler ces tonnelets pour demain, mon ami. Nous en avons besoin pour apporter de l'eau à nos bêtes dans les pâturages. Le problème, c'est pas de réparer des tonneaux, Don Diego. C'est de trouver de l'eau. Hein? Allez donc jeter un coup d'œil à la fontaine de la place du village. Mon plan se déroule comme prévu. Qu'est-ce que c'est que ce tuyau? Mieux vaut tard que jamais. Je crois avoir enfin découvert la seule chose que vous soyez capable de faire. Chers habitants de Los Angeles, j'ai l'honneur de vous présenter le premier aqueduc de toute la Californie. Mais à partir d'aujourd'hui, l'eau sera rationnée à Los Angeles. Un demi-seau par personne et par jour. Pas une seule goutte de plus. C'est tout, mon Dieu. Monasterio est une brute, il va assoiffer la population. Tu as raison, mais il y a un temps pour tout. Et pour l'instant, il faut aller voir ça de plus près. Soldat, c'est absolument fantastique. Sa Majesté serait très fière de vous. Merci, Don Diego. Pendant que toute la Californie meurt de soif, l'armée du roi gaspille de l'eau précieuse pour laver tout ce qui lui tombe sous la main, y compris les sous-vêtements de ses lanciers. Bravo. Oh, je déteste d'être dérangé quand je m'occupe de mes... Oh, mes jolies fleurs. À part, bien entendu, lorsqu'il s'agit de la jeune femme la plus... Commandant, permettez que je... Veuillez accepter cet humble témoignage de mon affection, chère douce Inès. Oh, mes fleurs! Je vais signaler cet horrible abus de pouvoir auprès du gouverneur. C'est du détournement de biens publics. Oh, quand je pense à ce tuyau stupide et à tout le mal qu'il fait à la population. Allons, allons, la politique ne concerne pas les ravissantes señoritas telles que vous, Inès. Il est l'heure de changer de costume, Bernardo. J'en ai pour une minute. Alors, soldat, c'est comme ça que vous montez la garde? Bande de pont à rien! Mon aqueduc est trop tentant, il va forcément attirer son... Ah, il n'y a pas à dire, ça fait du bien. Zorro, arrêtez-le immédiatement! Garde! Zorro est là! Allez, un beau geste, commandant! Je n'ai pas droit à mon demi-seau d'eau fraîche par jour comme tout le monde! Alors, Los Angeles, les sept voleurs tombent comme toi, on les jette en prison! Oh, garde! D'accord, dans ce cas, commençons par vous, commandant! Regardez, c'est Zorro! Attrapez-moi!
travail, Tornado. Vraiment obligé d'y aller. Y a plus de problème d'eau maintenant. Tout le monde a dû se servir en ville. Peut-être, mais on n'est pas censé le savoir. Diego, tu es bien sûr d'être venu ici la nuit dernière? Hein? Enfin, il est terminé. Il en aura fallu du temps. Maintenant, montez la garde. Toute personne qui laissera ce roi approcher de l'aqueduc sera de corvée de crottin pendant un mois. Soldats, je vous jure solennellement, sur le drapeau de notre illustre régiment, que je ne laisserai jamais Zorro détruire à nouveau notre magnifique aqueduc. Ils l'ont reconstruit? Bon, j'ai plus qu'à retourner le casser. C'est vraiment pas très compliqué. Ça, c'est une excellente idée. Mais au fait, comment comptes-tu échapper aux soldats qui vont te courir après? Facile, je... Et si je faisais diversion pour les attirer loin de l'aqueduc, t'en dis quoi? Bon, oui, d'accord, mais c'est dangereux. Alors, dès qu'ils t'auront vu, pars au galop. N'essaie pas de les combattre. Promis? Quoi? C'est mon idée! Oh, dites-moi que je rêve. Un dernier petit détail, la cape. La cape, c'est vraiment très important. Ça ajoute un côté dramatique. Suis-moi, Bernardo, on va pas y passer la nuit. Hey, j'ai travaillé dur pour perfectionner mon style, alors un peu de respect, hein? N'est-ce pas, Tornado? Oh, si j'avais su, je me serais plutôt engagé dans la marine. Non, Zorro! Non, pas cassé! C'est méchant, pas touché à lui. Non, pas cassé! Zorro! Dites-moi, sergent, vous étiez en train de rêver de moi? Je trouve votre voix étrange. Est-ce que vous avez mal à la gorge? Non, je suis en pleine forme. Et je suis revenu exprès pour démolir votre aqueduc. Non! Pitié, seigneur Zorro! On l'a déjà reconstruit deux fois aujourd'hui! Tant pis pour vous! J'ai gagné, j'ai réussi à mettre Zorro en fuite. Regardez-le, allez, t'éteins comme un lapin, Froussard. Bon, Gonzalez, vous allez rester avec le sergent Garcia et ses hommes pour protéger l'aqueduc et empêcher les gens de voler l'eau pendant mon absence. Le reste du régiment avec moi, nous allons capturer Zorro. Gonzalez, vous avez entendu ce que le commandant a dit. Alors allez protéger le cacaduc. À vos ordres, sergent. Oh, oh, alerte, alerte, on nous attaque. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Zorro, mais comment est-ce que vous avez fait pour revenir aussi vite? Vous avez si mal à la gorge que vous ne pouvez plus parler. Oh, je vous conseille de boire du thé au citron avec un peu de miel. Arrêtez ça tout de suite, sinon le commandant va nous obliger à le reconstruire. En avant, capturez cet homme. Moi, pendant ce temps-là, je garde l'aqueduc. Sergent, laissez-nous puiser encore un peu d'eau contre une bonne tortilla de patatas. Bon, mais faites vite, hein. Je ne vous ai pas vu. Oh, on a réussi. Eh bien alors, sergent, vous avez laissé les habitants reprendre de l'eau dans le puits?
qu'est-ce que le commandant va en penser? Oh, c'est pas possible! Vous êtes en train d'être poursuivi par le caporal Gonzalez! Vous savez ce que nous allons faire? Vous, vous allez finir votre tortilla, pendant que moi, je vais démolir votre actique. Oh, oh non, ne va pas commencer! Non, non! Vous pourrez toujours le reconstruire demain quand on vous l'ordonnera! Disparaissez d'ici! Vandale! Aïe! Attention, sergent! Non, personne n'a le droit de toucher à mon aqueduc! Mais enfin, Carlos, qu'est-ce que vous avez mis dans cette tortilla? En combat singulier. Il restait des soldats sur la place du village? Quoi seulement, Garcia? Oh, tout le monde va encore chanter les louanges de Zorro alors que c'est toi et moi qui aurons fait le plus gros du travail. Courage, sergent! Continuez, Garcia! Continuez! Tenez bon! Allez, hop. Et maintenant, si vous donniez un petit coup d'épaule par ici. Hop. J'en étais sûr. Zorro est déjà retourné à Los Angeles pendant que vous vous tourniez les pouces. Bande d'imbéciles. Regardez, commandant. J'ai vaillamment défendu votre acadat tout seul au péril de ma vie. Grâce à moi, il ne s'effondrera jamais. Garcia. Adios, sergent. Et merci beaucoup, car sans votre aide, je n'aurais jamais réussi à le détruire. Ya, tornado! Caporal Gonzalez, un mois de corvette crottin. Quant à vous, sergent Garcia, vous allez personnellement ramasser tout le bazar qu'il y a sur la place sans aucune aide, c'est compris? Ramassez tout jusqu'au dernier clou. Vous voulez dire qu'on n'a pas besoin de reconstruire le cas des cuques encore une fois? Merci, commandant, merci du fond du cœur. Garcia, que du... Enfin, heureusement.
heureusement qu'il pleut. J'ai chanté toutes les chansons et dansé toutes les danses que je connaissais.